Classifier le capybara n'a pas été une tâche facile. On l'a d'abord considéré comme un cousin du cochon. Mais il a une tête de castor, des pattes palmées comme un canard, et il passe une bonne partie de son temps dans l'eau. Au XVIe siècle, l'Église catholique l'a même assimilé à un poisson pour que sa viande puisse être mangée le vendredi et pendant le carême. Il court vite et mâche sa nourriture comme un chameau. Mais alors, qu'est-il exactement? C'est un rongeur, le plus grand au monde. Il peut peser jusqu'à 70 kilos. Et la confusion des genres ne s'arrête pas là. Il pousse des petits cris de cochon d'Inde, chante comme un oiseau. Et il aboie lorsqu'il se sent menacé. Tous ces sons servent à communiquer avec les autres membres d'un même groupe familial, qui peut compter plusieurs dizaines d'individus. Quand les cris ne suffisent pas, le capybara utilise son arrière-train pour faire passer des informations. Il dispose d'une paire de glandes au niveau de la croupe qui lui sert à délimiter son territoire. Les mâles marquent tout, des buissons jusqu'aux femelles qui sont plus nombreuses que les mâles au sein d'un groupe. Ils se frottent et laissent derrière eux des poils couverts d'une substance grasse et odorante. Les femelles adoptent aussi ce comportement.